Hello, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. Alors, petite information, on va donc démarrer ce soir donc ce vol entre Biarritz, le sud de la France, côté Pays Basque, et direction London City. Donc j'espère que tout se passera bien. Je pense que vous l'avez vu sur les précédentes vidéos directement que je vous ai mises en ligne. Et tout s'est très bien passé. Et donc là, on part sur un gros flight aujourd'hui entre Biarritz et Londres. J'espère que tout se passera bien et qu'il n'y aura pas de blocage de piste ou de communication abusive en provenance des haters. Voilà, moi je vais lancer le vol. On se retrouve juste après au moment du démarrage du push. Et puis bah, on va y aller direction London City. Et puis j'espère qu'à 18h, 19h, on verra le Bonfire. C'est un gros événement, gros artifice sur Londres. Donc tout ça, on le verra, j'espère, bien entendu, du côté de Londres. Je croise les doigts. Bonne soirée tout le monde et c'est parti, je vous laisse avec la vidéo du vol entre Biarritz et Londres City. Et on est parti direction London City avec la clairance piste 27. Parfait, la tour 118 décimale 7, c'est nickel. Ok. Pour l'instant, j'ai pas encore. Hop, je vais aller voir sur mon application mobile. LFBZ pour avoir le QNH. Et le QNH est à 1006 hectopascal. Voilà, nickel. Donc, clac. Hop, on va lancer les systèmes ACARS pour le vol. Et moi, je retrouve au moment du push. Allez, on va y aller. Let's go. En direction London City pour voir ce bonfire. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Ce film concerne votre sécurité. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. On n'entend pas la case. Une fois que ce signal est allumé, nous voilà, là on l'entend. Whenever the seatbelt sign is on, please make sure your seatbelt is securely fastened. Allez, donc vous avez peut-être pas vu le taxi, donc là on est sur la 27, on a été autorisé au décollage. Go! Taking off! On a 4 minutes d'avance, 17 degrés. Sans nœud. V1.
Oh. Alors, j'essaie de... Hop, je vais activer l'autopilote, voilà. Alors. C'est ce petit bitonio là qui m'emmerde. Il faut que j'arrive à zoomer dessus, voilà. Voilà. Hop. Flops one. Allez, moi je vous retrouve maintenant à l'atterrissage à London City. J'espère que vous aurez vu le taxiway et le roulage. Je l'espère parce qu'on était en train de régler les problèmes avec le touristique. Mais bon, moi je vous retrouve à l'atterrissage au niveau de London City. Je vous dis à tout à l'heure pour le bonfire en direct de Londres. Allez, on est avec London Control on the 1-2-9-8-3-4-3-0. Et route direct Neville. Et on est clear à descendre Fatway 260. Donc là, on va réduire. Et donc ça sera une ILS 27 à London City. Ça y est, on arrive, il est 16h51 heure de Londres. Est-ce qu'on va reculer encore d'une heure? Oui, il faut 17h51 à Paris, 16h51 du côté de Londres pour cette descente. Donc la suite pour cette descente sur London City, on est clear en flight level 220. Et en fait, je pense que vous voyez au PFD ce que ça donne. Ça donne ça au niveau de l'approche. Voilà, je vais zoomer exprès pour vous. Regardez un peu ce profilé. Et hop, vous avez donc là, voilà, le profilé que vous voyez un peu mieux. Et donc, ILS 27 est juste ici. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Allez, on est en finale de la 27. Et il fait pas beau du tout. Vous voyez ce temps dégueulasse de Londres. À mon avis, il n'y aura pas de bonfire vu le temps qu'il y a. Ça, c'est bien. Hein. Clear to land, runway 27, Air Force 126, AB. Turkish 1, Nana Bravo, Monitor Unicom. Monitor Unicom, Turkish 1, Nana Bravo, thank you, good evening. BC 18 Golf, Charlie, Monitor Unicom. Unicom 128, thanks for your service, have a good runway. You want to have got trouble. Easy 26 Echo Juliet, resume our navigation direct Conan. We'll go direct Conan and resume our navigation for you, Easy 26 Echo Juliet. Redness 2768, start climbing now, climb now, flight level 130. Yeah, start from that, Redness 2768. Stupid 84 Kilo Victor, direct to Deathlink. Direct Gatling, speedboat 84 Kilo Victor. American 728, the same flight level 110. 110, 728. Shamrock 935, France is offline, monitor Unicom, see you later. Unicom, bye bye. 8030 Hotel Foxtrot, contact Gatwick Director 126 decimal 825, goodbye. Gatwick Director 126825, is it Director Hotel Foxtrot, have a good evening, bye. Redness 2768, turn left cutting 030 degrees. Left 030, Redmond 7638. Skyways 241, climb flight level 290. Flight level 290, Skyways 241.
London, hello, easy 16 Bravo Delta climbing to 2600. Okay, runway in sight. Easy 16 Bravo Delta, where are you? Oh, you're there. Hello, identified, climb now to flight level 290. 290, easy 16 Bravo Delta. Redmond 2768, report you're heading to London Control, 127.105. Goodbye. 1271, can you have a beginning at the 30, please? Red 2768, London Control, 127.105, goodbye. 127.105, thank you, answer for that, bye bye. Shamrock 239, MIT Unicom, West is offline, goodbye. Unicom, bye bye, Shamrock 239. Donc là, on a c'était la weather de London City. Heading 170 degrees, Skyways 241. Ryanair 684, fly heading 150 degrees. 150 degrees, say Ryanair 684. American 728, ascend flight level 90. 90, 728. En tout cas, la ville de Londres, elle est très très belle. 119.730, goodbye. 119.730, bye bye. J'ai vu. Ryanair 146, turn left heading 340 degrees. That's 340 degrees right now, 146. Ah, par contre, je sais pas si ça rec. Si, ça rec. C'est ce que je voulais savoir, ça rec. Direct Conan, speed of 84 Kilo Victor. Easy 16 Bravo Delta, route direct Conan. Conan, 16 Bravo Delta. Oh là, il est beau le stade de Londres. Tout à l'heure, je disais qu'il n'y aura peut-être pas de bonfire, mais si, si, visiblement, la météo est bonne. 127.105, goodbye. 127.105, goodbye, and we'll report that in Rhino 146. Yeah, Shanix 1 Imagine, just to check, do you have XM1 Bravo or do you need Compton 1 Bravo? Va éviter le bateau surtout. Hein. Aïe. Oh putain, j'ai même pas eu le temps de voir. Uniform, Mighty Unicom, see you later. Mighty Unicom, easy, 5-4 Foxtrot Uniform, thank you, have a good night. Ryanair, bon bah bienvenue à Londres, 17h30, 5. Portugal 763, Lander Control, Roger, flight level 380 is not valid after Southampton, would you like 37 or 39 into France? 37 is fine. Portugal 763, Roger. American 108, descend flight level 90. 90, 10, 108. Shannix 1 Lima Charlie, descend flight level 160. Eh ben allez, arrivé. Ryanair 684, contact Gabby Director, 126.825, goodbye. 126.825, Ryanair 684, ahead, I get the first bit jump. Under control, easy 35, Stephen Puffin Tidley at 15,000, good evening, sir. Easy 357 London Control, good evening, my same flight level 150. 150, easy 357.
Skyways 241, resume our navigation, direct ZAMAB. Oh, Nav ZAMAB, Skyways 241. Easy 26 Echo Juliet, the Belgians are on strike. Monitor Unicom, see you later. We'll go to Unicom for easy 26 Echo Juliet, have a going, sir. Bubit 8, 4 Kilo Victor, same for you, Unicom, see you later. Unicom, see you later, Bubit 8, 4 Kilo Victor, thanks, goodbye. London Air France 126 on the block, thank you, bye bye, good evening. Thanks, bye. London negative, speed red 3-7-8. Bon, bienvenue à Londres, alors 122.8. Et voilà. J'ai fait combien selon la CARS là? Moins 105, c'est impossible. Impossible. Moins 251 selon ta CARS, je préfère. Ok. Nickel. Bon, et bah bienvenue à Londres et à très bientôt. Salut, bye bye! Allez, messieurs, dames, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Vous venez donc d'assister donc au vol de groupe qui donc eu lieu entre Biarritz et Londres. Alors oui, je me suis connecté sur le réseau Vatim pour vous partager un petit peu ce que ça donnait en version ATC et ce que ça pouvait donner. Et j'ai été extrêmement surpris et très agréable du résultat puisque nous avons eu du contrôle donc au départ via l'ATC global que vous connaissez donc sur Simulator. Alors bien entendu, la France n'était pas couverte. Dommage pour un week-end, pour un dimanche. Alors tout le monde n'a pas la possibilité de se connecter un dimanche. C'est pas très grave en soi. Londres, moi j'y suis pas allé depuis un bon moment et franchement j'ai été agréablement surpris du résultat. Full ATC à l'arrivée, super bien contrôlé. Alors, comme vous le savez, vous avez peut-être pu le voir, dans la descente de Londres, de London City, on a eu en début de soirée donc l'événement que je vous parlais, qui était les Fire Night donc de Londres. Que j'ai donc pu voir en direct sur YouTube. Un grand merci à toutes les personnes qui ont filmé cet événement directement par rapport à Londres. Et encore un très grand bravo. Just very congratulations for all the ATC to London Heathrow and to London Central and to London City for the landing for me during this flight. Bien, alors comme je vous le disais, je fais ici donc tous les contrôleurs de Londres. Ça s'est très très bien passé. Alors, petit point. Je pense que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que vous avez peut-être pu le voir, vous avez peut-être pu le constater, mais ça ne fait que guère confirmer ce que je vous dis, ce que je vous raconte maintenant sur la chaîne. Des gens comme Anna, Lisa, Mademoiselle C, Mademoiselle Eren, qui ne viennent toujours pas s'expliquer, qui n'assument pas, hein, je veux dire, on se prétend adulte, mais on n'assume pas les conneries, on n'assume pas d'inventer une vie, un personnage et une personne qu'on ne connaît pas ni d'Ève ni d'Adam. Bon, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je pense que vous avez peut-être pu le voir et ou le constater par vous-même. Il n'y a pas eu de blocage de piste, ni au départ, ni à l'arrivée. Il n'y a pas eu de communication abusive à Londres. Certes, il y avait du monde. C'est un espace aérien Londres extrêmement grand, beaucoup plus vaste qu'à New York, où l'espace aérien est quand même rétréci. Alors, ça peut déborder sur le nord de Londres, d'accord ? Mais faut pas oublier que nous avons Brighton, nous avons Londres, nous avons London City, nous avons London Heathrow et on a Gatwick. Ça fait du monde, ça fait beaucoup de monde. Donc il faut bien comprendre qu'à l'arrivée sur London City, alors c'est une pente, pour information, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, c'est une pente à 6%. Une pente à 6%, elle est raide, elle est très très raide. D'accord ? D'où le fait que vous avez vu une arrivée qui était speedée. Il n'y a pas eu d'accélération de simulateur.
tu as tout de suite à le dire. Voilà, on a posé comme on pouvait, d'accord, parce qu'il faut savoir qu'on n'était pas établi en glide slope. Pour autant, les autres ont eu le même problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que ça vient des scènes du cas de mise, qui est un petit peu quand même problématique en soi. Sinon, écoutez, bah, tout s'est bien passé. Faut dire les choses telles qu'elles le sont. Des gens comme Anna, Lisa, Mademoiselle C, Mademoiselle Irène, qui m'inventent une vie en personnage. Vous avez peut-être pu le voir et ou le constater sur mes réseaux et sur mes plateformes très récemment, que ça soit sur Instagram ou que ça soit sur Facebook, que ça soit ailleurs, ça ne fait que confirmer ce que je vous dis, c'est-à-dire que les haters, pour la plupart, vous ont manipulé, se sont permis donc d'inventer comme quoi j'aurais hacké un site web et une base de données, et n'en est strictement rien à l'heure où on se parle au mois de novembre. Ce que je déplore tout autant, c'est que des gens comme Anna, Lisa, Mademoiselle C, Mademoiselle RN ne viennent pas me recontacter, ne me font pas de messages pour me dire on s'est trompé, on n'aurait pas dû les écouter. C'est ça être adulte, c'est ça être humain et c'est ça savoir se remettre en question. Voilà. Donc voilà. Donc comme je vous le disais donc dans la vidéo, il n'y a pas eu de blocage de piste, il n'y a rien eu. Ça pose des questions. Quand on voit que Mademoiselle C, Mademoiselle RN et tous les autres ne sont pas capables de venir s'excuser, n'ont donc pas accès aux actualités de la chaîne, n'ont pas accès à ce que je vous dis là, qui plus est qu'on m'a accusé personnellement d'avoir hacké des sites web et des bases de données. J'ai toujours été clair vis-à-vis de vous tous. C'était un tissu de mensonge. Ça s'est avéré vrai, ce tissu de mensonge. Puisque les haters, disons-le clairement pour ceux qui vont me regarder, n'avaient pas de preuves. Pire encore, falsification de preuves, donc en gros avec des papiers qui sont faux, des interprétations ou signatures de d'entreprise et usurpation d'identité tierce, donc de chef d'entreprise et autres. Pire encore, ces derniers se sont permis donc de s'en prendre à mon travail. Il faut savoir que grâce à eux, oui, j'ai poursuivi un certain cap, mais ce cap aujourd'hui il a été atteint. Il a été atteint par vos soutiens inconditionnels. Et ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que des gens comme Anna, Lisa, Mademoiselle C, tout ça, qui ne sont pas capables de venir s'excuser, tout comme Mademoiselle RN, qui m'a accusé d'avoir hacké un site web et une base de données. J'attends toujours. Moi, la justice moi, m'a dit je ne suis responsable de rien. Comme vous avez peut-être pu le voir et ou le constater sur les vidéos, il n'y a pas eu de blocage de piste et il n'y en a plus. Moi, je sais pas. En fait, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est en train de vous mentir et de vous manipuler. Pire encore, les haters vous ont empêché l'accès à certaines infos. Et donc, vous ont détourné des plateformes, des réseaux sociaux et donc de mes chaînes qui ne disaient que la vérité. Pardonnez-moi du peu, mais pour moi, ça me pose quand même question. Pour beaucoup, vous avez remis en doute tout ce que je vous disais. Certaines personnes ont continué à me soutenir en off. Tout ça, vous n'aviez pas l'information. Mais les haters, aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez déjà perdu la bataille. Alors, soyons clairs, soyons francs, par rapport à l'atterrissage de Londres, il n'y a pas eu de blocage de piste, ni même de blocage de communication ATC. Certes, l'espace aérien de Londres est extrêmement grand et vaste. Ça, c'est très clair. Mais là où ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous avons traversé ensemble le cross-band. Pas de blocage de piste, rien de tel. Pas de communication abusive. Nous avons eu des vols de groupe. Nous avons repris tous les convois, les vols en ligne, tout. Qui vous a caché l'information, selon vous, hein ? Moi, je connais déjà la réponse. Voilà, en tout cas, je remercie toutes les personnes de continuer à me soutenir, toutes les personnes qui m'ont fait une super belle surprise cette semaine. Ça m'a vraiment touché, honnêtement, vous n'imaginez même pas. Donc voilà, prochain événement, eh ben, on se retrouvera très bientôt pour la suite des événements. Sachez-le, je ne communiquerai plus de date en 2024 sur les événements, à cause donc des haters, d'accord ? Et donc à cause de gens fêlés du bocal qui ne viennent pas s'excuser. Mais bon, ça c'est un problème d'éducation, de savoir vivre et de savoir être en société. Voilà, les choses sont dites, très bonne soirée et à plus tard. Merci encore de votre fidélité.